Barbara. On ne sait pas où la classer dans la chanson moderne. L'an dernier, d'un seul coup, elle est devenue vedette, comme une plante incongrue qui a poussé au milieu des yéyés et des rythmes. Une vedette, peut-être, un personnage sûrement. Elle a fait sa rentrée hier à Paris. En ce moment, elle répète. Il est 11h du soir à Bobino, nous sommes lundi. J'ai 8 chansons nouvelles dont je ne sais absolument que vous dire. Tant qu'elles n'auront pas été accouchées par le public, je ne sais rien de ces chansons-là. Je ne peux pas dire qu'elles me soient étrangères parce que je les ai écrites, mais j'ai très peur. Va-t-on les aimer ou non et... Je ne sais pas. Moi, je les aime, je crois que je les aime, moi je les aime. Mais je ne les entends pas encore. Vous les avez jamais chantées encore? N'ai jamais essayé. Pas par trois ou quatre, à part trois, je pense, d'autres, je n'ai jamais chanté. Deux d'entre elles, je chanterai pour la première fois. Enfin, il y en a une qui n'est même pas terminée, que je terminerai, je pense, cette nuit, et que je chanterai demain pour la première fois. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est bien une chose que l'on jette comme ça et qui se fait. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette, si vous voulez, j'aime beaucoup ce combat-là, moi. Je l'aime beaucoup. J'ai peur, mais j'aime beaucoup cette peur. Non pas que je la cultive, mais j'aime. J'aime ce rendez-vous-là. Sinon, c'est un rendez-vous. Mais pour écrire une chanson, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir par là? Non, je veux dire par là, comment on fait une chanson? Comment on fait une chanson? Comme une lettre. Oui. Je crois que j'écris une chanson comme une lettre. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout conscience. Exactement, on ne la répète pas, on écrit une fois, on ne la répète pas. Oui, c'est vrai, mais je ne reste pas tellement de temps. Je n'écris pas bien, vous comprenez, je ne suis pas quelqu'un qui écrit. Je ne suis pas quelqu'un qu'on lit sans musique, je suis quelqu'un qui chante avant tout. C'est pour ça que je ne peux pas tellement vous dire comment j'écris ou... Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des chansons et de ne jamais les chanter? Non, jamais. Ça ne m'arrivera jamais. Ça ne peut pas m'arriver, de même qu'il ne peut pas m'arriver qu'on me commande une chanson. Je n'ai pas le talent d'écrire. Je n'ai pas le talent d'écrire sur commande ou... Pour que j'écrive, il faut que je vive. Je vous ai vu tout à l'heure répéter sur scène. Et il n'y avait personne dans la salle. Enfin, il y avait 5 ou 6 personnes qui vous suivaient. Mais j'ai l'impression que vous chantiez comme si la salle était pleine, enfin, ou... Oui, pour moi, la salle... Vous n'avez pas de salle, en fait, c'est pas... C'est ça, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ou la salle était pleine, ou j'étais parfaitement absente, et... C'est ça. Mais alors, la salle qui est devant vous, ça représente quoi? Tout. C'est l'accoucheur. C'est fantastique, c'est quelque chose de mouvant, c'est une matière, comme ça, très belle, qui se fait, qui se bouge. Il y a des salles qui... Quelquefois, quand on entre en scène, qui sont absolument contre une espèce d'agressivité, qui ne veulent pas. C'est fantastique ce combat-là, les gens qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas vous aimer ou qui ne veulent pas. Et qu'il faut aller chercher comme ça, dans leur cœur, ça c'est fantastique. Ça c'est fantastique. Ils s'enroulent, autour desquels on s'enroule et on pénètre. Est-ce que vous préférez une salle qui veut ou une salle qui ne veut pas? J'aime bien combattre une salle qui ne veut pas. C'est un travail de dompteur, j'aime beaucoup ça. Surtout si après elle veut. Mais enfin, je suis plus heureuse d'entrer dans une salle qui veut. Et à la fois plus inquiète parce qu'elle veut, donc je ne peux pas avoir de faille. Je veux dire que c'est
C'est terrible, mais enfin quoi, j'ai choisi. Enfin, c'est passionnant, ça ne peut pas s'expliquer, le miracle de la scène. C'est... Je veux dire, c'est un moment, c'est comme... Je crois qu'il y a deux moments comme ça où on est totalement... C'est en scène et avec un homme amoureux, je veux dire, dans un lit où... Je veux dire que ce sont deux moments pareils pour moi.